Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre petite survie série Skyblock sur le serveur iSky. Je tourne cet épisode à la suite du dernier. Je reprends le tournage ici parce que j'étais en train de miner un petit peu de cobble avec la machine à cobble et regardez ce qui vient d'apparaître juste derrière moi. Est-ce que c'est pas fantastique? Oui, bah moi ça me fascine toujours. Pour moi je trouve ça fou étant donné que je n'ai pas la... Pour moi, une machine à cobble c'est fait pour faire de la cobble, ok? Alors on va miner ça et on se retrouve avec du quartz. S'il serait tombé dans la lave, j'aurais eu un peu le démon. Et alors j'imagine qu'avec le nether quartz... Mais maintenant on a du charbon, mais non mais attendez par contre, c'est juste génial. Attendez, peut-être un petit diamant là? Ah non, il est tombé dans la lave. Ça c'est dommage. Ah ça c'est con quand même, si t'as des beaux loot comme ça, c'est un petit peu dommage. Je me suis renseigné, j'ai demandé à un membre du serveur comment faire pour monter de niveau sur l'île. Bah tout simplement en posant des blocs. C'était bien ce qui me semblait en vrai, c'est en général comme ça que ça se passe. Mais en vrai j'étais pas sûr, je me disais, eh bah voilà, et là le fer faut pas qu'il tombe hein. Trop bien. On a notre premier fer les gars et ça c'est génial. Je vous rassure, on va pas faire que ça pour cet épisode. C'est pas un épisode où on va miner, je vous rassure. Mais voilà, le petit arbre il a poussé. On va récupérer le blé parce que très clairement ça va... Le blé, je parle pas de l'argent. Oh mais il y avait de l'eau ici. Mais c'est génial. Eh mais on est trop bien. En vrai on est trop bien, c'est genre vraiment une aventure paisible, sans souci. Évidemment on se fera j'imagine une machine à mob ou un truc comme ça. On aurait même peut-être pas besoin d'en faire en vrai, si on a avec le shop moyen de faire des trucs sympas. En tout cas voilà, moi ça me plaît quand c'est pas non plus trop difficile dès le début. Mais pas comme la première île qu'on avait essayé où il y avait tout de suite une maison etc. Là par contre j'aime pas. Mais là on est bien, il y a pas tout qui est donné mais un petit peu quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu bizarre ce que je viens de dire. Hop, ben voilà on va s'établir là un petit peu. Le fer on va le sécuriser ici tranquillement. On va se refaire une... Ah non, j'ai encore une pioche. Non, ce que je veux faire, c'est une pelle. J'aimerais me refaire une pelle pour prendre encore de la terre et un petit peu terraformer et agrandir l'île de sorte à se faire des points, mais aussi surtout pour pouvoir s'établir par après. J'aimerais bien qu'on ait assez rapidement éventuellement des animaux, pourquoi pas, ça peut être plutôt cool en vrai. Déjà pour avoir un peu de compagnie, se faire un petit enclos, un petit élevage, des trucs comme ça. Je suis sûr, je pense qu'on peut acheter des blocs en vrai. Je sais plus si on avait vu ça dans le dernier épisode, mais je pense qu'on peut acheter des blocs. Bah oui, je suis bête. Tac, on peut acheter complètement des blocs. Regardez, j'ai 500$. Pour 150, je me fais de la dirt. Alors, je sais pas combien. Prix de vente 3. Non, on peut acheter ou vendre ce qu'on a, mais je viens de capter. Ah, je suis sûr, vous me l'aviez dit en commentaire du coup, mais j'avais pas capté. Donc, si j'ai des trucs sur moi là, comme ça, genre par exemple. Par exemple des graines dont je m'en fous, je peux les vendre, ou bien si j'en ai besoin, je peux les acheter. Voilà, visiblement, ils me proposent pas les graines. Mais, ah, c'est super. Ok, d'accord, mais c'est génial. Genre, bah du coup, le Nether Quartz, qui pour le coup, pour le moment, va clairement pas me servir à grand-chose, disons-le. Ok, bah ça c'est top. Parce que là, vraiment, je suis en train de miner de la dirt pour me faire un peu des économies. Mais en vrai, on va potentiellement pouvoir en acheter, et ce sera bien plus sympa. Par contre, comment gagner de la thune, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Alors oui, en vendant. Mais... Alors on a vu dans le premier épisode qu'on pouvait donner de l'argent aux autres. Donc potentiellement, je pense qu'on peut s'arranger avec des gens pour faire du troc et se vendre des trucs, en vrai. Là, je suis juste en train de récupérer les graines et les fleurs. En vrai, les fleurs, on peut les vendre. En vrai, on en a pas besoin. On s'en fout des fleurs, les gars, on est bien d'accord. Non, je rigole. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. On va garder ça bien au chaud. Voilà. Ok? Nickel. Par contre, la terre, je vais la garder sur moi. Oh, bah, j'ai plus d'un stack. Donc, on va agrandir par ici. Et je pense que là, très sincèrement, ce sera une partie enclos. Une partie élevage, agriculture. Enfin, pas agriculture, mais élevage. Donc là, on mettra des vaches. Enfin, je sais pas comment on fait pour en avoir, mais on mettra les animaux ici. On se fera un beau petit enclos. Voilà. Tac. Évidemment, on sécurisera le tout parce que pour le moment, c'est un petit peu dangereux, je trouve. Voilà. Et ce qui est bien, je viens de capter aussi avec la profondeur de l'île. On va pouvoir... Non, les gars, mais j'ai trop d'idées qui me popent en tête, par contre. Si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. Mais en vrai, notre base, notre maison, on va la faire sous terre. On va la faire sous l'île, là. Genre, l'entrée, je sais pas où on l'a fait. Si t'as besoin de quelque chose, de truc, n'hésite pas. Merci beaucoup. Voilà, c'est... je sais pas s'il parlait à moi. Mais du coup c'est bien, en tout cas c'est lui Unfair si jamais qui m'a répondu pour les blocs de l'île. On va se faire, alors je sais pas où l'entrée sera, mais ici, très clairement l'entrée sera ici les gars. L'entrée sera ici.
J'ai plus de pelle par contre, et ça m'embête. Si j'ai une pelle, c'est bon. Oh non, eh, ça va être trop bien en vrai. Mais bien sûr. Eh, ça me fait penser à quelque chose, mais je sais plus quoi. Pour le coup, ça me rappelle. Les gars, en fait, je replonge en 2014, les gars. J'avais fait une série à l'époque, une série modée en 2014. C'est très 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 vieux. Personne s'en souvient. Je sais même pas si les vidéos sont disponibles. Ça s'appelait Bilcon Warcraft et je m'étais établi dans un trou, tout simplement, comme ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Et puis c'est comme la série avec les abonnés, premier épisode, bam, on s'est installé dans un petit trou. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Et ça fait vraiment à l'ancienne et ça va être tout cosy, en fait. Parce que là, on va avoir toute la place de s'établir, de faire un truc super mignon. Non, vraiment, on va s'installer là, les gars. Notre base, elle va être là. Après, j'imagine, je suis pas le seul à avoir ce genre d'idée. Hop, on va mettre ça dans l'autre main. Mais ça va être beaucoup trop mignon. En vrai, ça va être beaucoup trop sympa. Par contre, je suis focus sur le niveau de l'île, mais c'est vrai que je pose des blocs et j'ai pas gagné plus de niveaux. Donc ça m'inquiète un peu, je vais pas vous mentir. On voit mon temps de jeu. Alors, j'ai la caméra dessus, vous voyez pas. J'en suis à 33 minutes et 30 secondes. Voilà, actuellement. 33 minutes et 28 secondes. Le temps ne bouge pas, c'est bizarre. Mais voilà, on peut récupérer la terre aussi, ça c'est cool. On va être bien là. Pour le moment ça fait serré, mais je pense qu'on va creuser encore de 1 en dessous. Et après on changera les blocs, on mettra d'autres blocs, je sais pas encore quoi. Oh, mais ça va être beaucoup trop mignon. Les gars, ça va être beaucoup trop mignon. Et là on a même pas besoin de machine à cobble, on se fait de la cobble gratos là. Et de la terre. Et ça c'est cool. Hop. Et juste après on va se renseigner pour voir comment faire pour faire spawn des animaux. Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce qu'il faut acheter? Je pense qu'on peut clairement acheter. Oh, il pleut. Eh, c'est mignon. On entend la pluie et tout. Voilà, il y a la pluie qui passe à travers. Hein. Ça, c'est pas... Là, on mettra la salle de bain, les gars. Là, on fera une salle de bain parce que si l'eau, elle coule... Oh, il y a de l'orage. Oh, par contre, calmez-vous. Hein. Ça me fait un peu peur. Oh, alors, je sais que ça ressemble à ma série Skyblock Vanilla que j'avais fait. Mais je veux que notre intérieur de la base, là, ce soit en birch. En vrai... Ça va être beaucoup trop cosy. Je veux que ce soit qu'il y ait du birch. Alors forcément, on va pouvoir en profiter. On va pouvoir acheter plein de choses. Du coup, on peut acheter n'importe quel bloc. Et donc, on va pas se limiter à du birch. Peut-être que je vais changer d'idée, très sincèrement. Mais là, j'ai eu cette idée en tête. Ça peut être vraiment super mignon. Alors c'est bon, l'herbe, j'avais pas vu, mais l'herbe, elle communique et c'est bon, elle va pouvoir venir. Parfait. Hop. Voilà, ça me fait peur l'orage. Bon, à tout moment je peux l'enlever du coup, si j'ai bien compris. Hop. Je crois que c'est le coup de foudre. J'ai plus de terre, voilà, nickel. Ok, c'est cool. Oh, ça va être super sympa. Franchement, ça va être super sympa. On va se mettre là comme ça. Bam. L'entrée en vrai. On verra comment on fera l'entrée, tu vois, c'est pas la priorité. Mais on se fera une petite entrée mignonne. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Là, la cobble, bah oui, parce que c'est là où on a... Alors, faut faire gaffe parce qu'on a juste la machine. Oui, c'est ça. On a la machine à cobble juste au-dessus. Hein. Si je puis me permettre. À tout moment, on peut se prendre la flotte, là. Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle est là, en fait, la flotte. Attendez. Ah, c'est la source d'eau infinie, là. Je sais pas, je suis perdu. Normalement, j'ai rien cassé. Donc, ça devrait être bon. Ça va être beaucoup trop bien. Alors si on regarde, slash yes, j'imagine peut-être pour... Bah non, du coup en fait on va faire slash shop pour voir, on peut peut-être acheter des entités, non? Peut-être, non? Nourriture. Alors on peut acheter la nourriture directement, d'accord? On peut acheter des loot directement. Divers. Water, oh bah voilà, on aurait pu racheter des seaux d'eau si jamais. Elytra, ça c'est 100 000 boules. Name tag, nananana, endrod et bottle enchanting. Mais on n'a pas... On n'a pas pour faire spawn des animaux. Ça, c'est bien dommage. Slash yes. Biome de l'île. Je sais pas, c'est quoi actuellement? C'est plaine. Ah, bah on va laisser plaine parce que c'est dans les biomes plaines que les animaux spawnent. Donc je pense que les animaux vont spawn naturellement. C'est ce que j'ose imaginer. Peut-être pas, mais dans ma logique, ce serait ça. Donc on verra bien. De toute façon, je vais faire un grand espace, donc l'avantage, c'est ça. Peut-être que des animaux vont spawn. Ça, c'est ce qu'on va voir, les amis. En tout cas, on va tout faire pour, et sinon, on trouvera bien un autre moyen. J'aimerais bien que là, il y ait un birch qui tombe, là, une petite pousse d'arbre. Ce serait sympa. Faut que je puisse replanter gratuitement ce genre de bois, s'il vous plaît. Eh, les gars! Oh, mais quelle arnaque. Oh non, ça t'incite à acheter de ouf! Oh non! Oh, c'est pourri! Bon,
C'est pas grave, on va pas s'énerver. On va se refaire deux petites pioches. Il me semble que j'en avais encore dans le... Pas du tout, c'est bon. Ok. Et ben on va continuer les gars notre petite bazounette. Mais ouais, pour le moment j'ai pas envie d'acheter de blocs spéciaux pour la base. Parce que j'ai peur, je sais pas comment gagner de l'argent quoi. En vrai, si vous avez des astuces, si vous savez comment gagner de l'argent, là par contre je veux bien que vous me dites en commentaire les gars. Mais voilà, on va pas se focus là-dessus pour le moment. Pour décorer la base incroyablement bien parce que ben juste on n'a pas les thunes. Donc pour le moment on va se contenter de ce qu'on a. On va essayer de faire un truc bien. Non parce que si on a besoin de l'argent après pour d'autres choses, on sera très vite dans le mal et on sera bloqué, on pourra plus avancer. Donc ce serait vraiment bien con. Hop, voilà on se termine ça. Ça va nous faire un petit coin sympa. Après on agrandira évidemment au fur et à mesure. Mais ouais ça va être cool. Moi c'est juste con la pluie qui rentre. Ça c'est con. Mais c'est pas grave, de toute façon on changera la météo et on fera en sorte qu'il n'y ait plus de pluie. Enfin on verra. Voilà. Et on va pouvoir terminer. Bah, du coup on va récupérer la dirt là. Eh les gars, autant en profiter. Non, ça c'est la surface. Ça c'est la surface aussi. Ça c'est pas la surface. Voilà, autant en profiter. On récupère la dirt qu'on peut. Bon, on a beaucoup encore récupéré. Il faut juste laisser une torche là parce que sinon... les monstres risquent quand même de spawn quoi. Hop. Et ben voilà les gars. On va être bien sympa. On va se rajouter les derniers blocs d'herbe. Et j'espère vraiment que des mobs vont tout simplement spawn. Ça devrait être assez grand en vrai. Donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas bon. Mais quand je vois vraiment la profondeur. Vous avez vu la profondeur de l'île? En vrai on pourrait vraiment s'installer encore plus bas. Et c'est ce qu'on va faire. On va creuser encore. On creusera encore de 1. Même peut-être de 2. Et ça va être juste gigantesque. Ça va être juste gigantesque en fait. Mais ça va être beaucoup trop bien. Bon ça je casserai en off les gars. Je minerai en off très clairement. Mais ça va être beaucoup trop bien. Je suis bientôt à une heure de jeu en globalité. Donc j'aurai ma première récompense. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Le jour va se lever. Je suis désolé, je veux quand même vérifier. On peut pas faire spawn des animaux. Minerable. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vais demander dans le chat pour spawn des animaux, c'est naturel ou on peut acheter. Voilà, je vais demander. Ok, là j'ai rien cassé, c'est bon. On va récupérer un peu de cobble en attendant qu'ils nous répondent, comme ça on aura directement la réponse en vidéo. Et là je suis à 1299 sur 25 000. Oh, nouveau fer, c'est naturel. Ah bah voilà, on est d'accord. Ok. Voilà, donc heureusement je fais un bel espace. Et je pense la prochaine fois qu'on reviendra sur le serve, il y aura peut-être des animaux. Une petite vache, un petit cochon, un petit poulet, je ne sais pas. Mais ce serait vraiment génial. Du lapis, allez, pour les enchantes si jamais. Dans le slash yes settings, tu peux faire en sorte que les mobs spawnent ou pas. Oh, slash yes settings. Ça mène au même endroit. Paramètres de l'île. Joueur. Ah, spawn de mobs naturels activé. Griffe par les mobs. Ah, c'est désactivé. Disparition progressive des feuilles activée. Proclamation du feu. Protecteur des mages. Et explosion désactivée. Oh, c'est cheaté. Donc là, comme ça, ils pourront pas. Les méchants, ils pourront rien casser là, comme ça. C'est cool. En vrai, c'est bien. T'as juste à mettre une plateforme d'herbe et ça va spawn. Super, ouais, c'est ça. Nickel, nickel. On a notre deuxième petit lingot de fer. Bientôt, on va pouvoir se faire une pioche en fer. Et ça, ça va être stylé. On va se faire des petits fourneaux. Pour le moment, on va les placer ici. Mais on va très vite s'installer dans notre base. Ça me fait chier parce qu'on n'a pas beaucoup de birch. Et j'ai plus de quoi faire... Ouais, on va quand même pas acheter, les gars. On va faire ça, vraiment, les gars. Shop, lock. C'est peut-être plus rentable d'acheter directement ça. Non, je sais pas. C'est quoi le plus rentable? Bah non, le plus rentable, c'est d'avoir... nature, la pousse de birch. Alors à voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait nous intéresser. Non mais en vrai c'est une bonne idée hein. Sinon il y a quoi comme bloc pour la base? Le reste c'est pas cosy. Franchement le reste c'est pas cosy. On peut pas se faire une base cosy comme ça. Donc déjà shop, on va acheter ça.
Oh, c'est trop bien. Alors, attendez. Ah, ok, ils ont même pas fait de... C'est dommage. C'est-à-dire que vraiment, ils ont pas fait de... Le premier trouvant le mot concernant des lettres, labilé, gagnera $250. Oh punaise, un event! Labilé. Les lettres labilées. Libellule? Non. La label. La. Je sais pas quel mot. C'est compliqué, hein. Labili. Labilé. Je sais pas si vous. Je pense que c'est dans n'importe quel sens qu'on peut prendre le truc. Bible. Non, il manque un A. Il manque même un E. Bon, bah là, les gars, je ne sais pas. Je ne gagnerai pas les $250. Oui, je disais, c'est dommage. Il n'y a pas de réduction. C'est-à-dire que vraiment, ça reste 100, 400, 800, 1600. Si, ils auraient pu faire une réduction. Bon, bah nous, on va acheter. Voilà, on se fait calotte. $100 vient d'être retiré de ton compte. Voilà, ça y est, je me suis fait. Adieu. Mais du coup, on va planter ça. Hop. C'est encore écrit $500 ici, mais je pense que ça se mettra à jour après. Ah bah voilà, ça vient de se mettre à jour. Ça fait mal. Et du coup. Le sol, on va clairement se le faire comme ça. Ça va être méga cosy. On verra les murs comment on les fera. Mais ça va être juste méga cosy. Et on va descendre à cette hauteur. Là, on va être, je pense, très très bien. Ok. Et on fera ça comme ça. Le sol juste ici. Ça va être génial. Donc, comme dit ça, je ferai en off, les gars. Bam, bam, bam. Tranquillement. Ça va être bien sympa, là. En attendant que les animaux spawnent. C'est cool! Donc voilà, l'IP est dans la description les amis, si vous voulez le rejoindre n'hésitez surtout pas, je mettrai aussi le Discord, j'avais oublié de le préciser, mais en tout cas il y aura tout qui sera mis dans la description, le Discord, l'IP, c'est pour la 1.16.1 pardon, jusqu'à la 1.16.4 pour le moment, ma pioche est cassée, c'est pas grave, j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac, j'ai plus d'une pioche dans mon sac j'ai envie de te dire, hop 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 hop, les escaliers on les fera en birch évidemment, là j'ai pas assez, ça va être cool. On va, à l'intérieur, je veux qu'on se fasse une chambre, une salle de bain. Je veux qu'on, en vrai, il y a de la place, on va tout faire. Là, on fera tout. En vanilla, mais on fera tout. Tout ce qui sera possible de faire, on fera. Dans une maison, bam, ça va être pour nous, ça va être cadeau. Le plafond, je sais pas encore comment on le fera. Et les murs, je sais pas encore comment on le fera. Mais ça, on verra. Et vous pourrez toujours me conseiller, hein, tout simplement. Voilà. Là, ici, ça pousse pas encore. C'est vrai, il nous faudra de la bonne mille. Il nous faudra une salle à mob aussi, il faudra qu'on se fasse une salle à mob assez rapidement je pense. Mais pour ça il faut agrandir l'île, et en vrai vous savez quoi du coup, c'est ça en fait. Il va falloir qu'on agrandisse l'île, et en vrai on va l'agrandir par là-bas, et c'est là-bas qu'on va faire la machine à mob. Ça me fait vraiment penser pour le coup. Alors attendez, la technique pour pas que les mobs spawnent, c'est de se mettre à cette hauteur là. Hein. Là les mobs ils peuvent pas spawn. Ça me rappelle du coup ma série Skyblock en vanilla. Attendez les gars, je suis désolé, hein, mais j'ai beaucoup trop peur. S'il y a un rollback, ce que je doute, mais on sait jamais. Hein. S'il y a un rollback, on perd tout. Donc clairement, voilà, hein, on va mettre ça en sécurité. La cobble, on va garder pour faire un maximum de slab. Voilà, et ça, on range. Comme ça, on perd pas trop. Hein, parce que si on perd, après, on aurait le démon. Hein. Franchement, après, on aurait le démon. Donc là-bas, on va faire notre petite salle à mob. Bien au loin, hein, très clairement. Erreur, vous vous êtes promené trop loin. Frère, je me suis chié dessus. Waouh, hey, tu me refais plus jamais ça. Hein. Donc il y a des limites et tout, on peut pas faire une île trop grande. Ah, oh, c'est trop con, attendez. À mon avis, level deal. Statistiques, 66, sortir. Du menu des niveaux, sortir du menu. Ah non, je pensais qu'il y avait un truc genre pour agrandir, pour qu'on puisse agrandir le... Amélioration. Vitesse de pouce. Ah, c'est trop cher. Max member. Taille de l'île. Voilà. Pour agrandir l'île, il faut payer $50 000. Ah ouais, on va pas pouvoir faire la machine à mob, la mob trop loin. Bon bah c'est pas grave. Au moins on connaît les limites. On peut pas aller plus loin qu'ici. Ça m'a fait peur. Oh le jump scare. Voilà. Bon du coup on va la faire là, la machine à mob, vous l'aurez compris. C'est quoi, on va essayer de pousser aussi les limites là. Ça va me faire peur, mais on va pousser les limites, ok? On a la limite dans un sens, on va faire dans l'autre. Voilà. C'est bien là, ça nous permet de déterminer les limites. Donc on peut pas aller plus loin qu'ici. C'est très bon à savoir. Donc très clairement, la machine à mob. Je viens de dire la machine à mob. Non, je voulais dire la salle à mob, pardon. Quoi?
Ok, très bien. Non mais excusez-moi. Avast. C'est bien Avast. Avast, il s'est dit tiens, je vais te popper à la figure et te faire quitter Minecraft, mais c'est bon, tout va bien. Donc voilà. Non mais on va peut-être se faire une salle à mob, enfin une machine à mob du coup, plutôt qu'une salle à mob. Pour ça, il faut de la glace et des trappes et tout. Oh, je sais plus comment on fait une salle à mob. Mais laissez-moi juste vérifier. Faut avoir de la glace. Packed ice. C'est 35. 35 pour 1. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Il en faut beaucoup quand même. Hein. 1120, j'aurais même pas assez, tu vois. Oh. Ah mais non, non, il faut pas de glace. Pardon, my bad. Il faut pas de glace, il faut juste de l'eau. Non, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit, pardon. Ah ouais, non, mais clairement, on va se faire la... On va se faire une machine à mob, ce sera beaucoup mieux. On va faire une machine à mob. Mais le problème, par contre, c'est la hauteur. Je sais pas jusqu'où on peut aller. Alors, les gars, ça va être vite vu. On va se mettre ici. Et on va monter et on va bien voir. Non, par contre, j'ai pas de... Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je peux faire slash yes. Ah bah, autant en profiter. Hein. On va voir la hauteur maximale. Et... Bah pareil, vers le bas, jusqu'où on peut aller, parce que sinon, je pense qu'on peut tout faire, hein, mais... Attends. Voilà, et la lanterne. Je pense, de toute façon, si je franchis les limites, je vais me faire TP en bas, donc... On va voir. Oh, ok, bon, déjà, là, on est assez haut, en vrai. On est à la couche 112. En vrai, on est déjà assez haut. Là, si un mob, il tombe, il est mort. Dans tous les cas, il n'y a même pas besoin d'aller plus bas. Ouah, wow, mais attends, y a pas de limite en vrai? Ah, d'où le nom du serveur, High Sky. C'est très high. Hein, je crois que c'est bon. Hein. Là, je suis assez haut. Je suis même peut-être trop haut. Bah, faudra que je regarde un tuto de nouveau. Ouais, c'est bon, nickel. Faudra que je regarde un tuto. Hop, voilà, nickel. Ah ouais, c'est vachement haut. Parce qu'il y a une certaine distance, sinon les mobs, ils peuvent pas spawn. Je regarderai un tuto, et dans le prochain épisode, on se fera la... machine à mob si j'ai ce qu'il faut. Attention parce que j'ai peut-être pas ce qu'il faut, je sais plus. Donc si jamais j'ai ce qu'il faut, on se fera la machine à mob les amis. Si cet épisode vous a enjoyé, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça y est, je me suis recogné. Ah, il fallait bien que je me recogne. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, des bisous à tous. Ciao tout le monde.